Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog, trop bien. Donc on est jeudi 10 février, il est 16h15. Aujourd'hui c'est le jour, je me suis enfin décidée de prendre ma caméra et de filmer. J'espère que vous allez bien en tout cas et bonne année à vous. Parce qu'on est en 2022 maintenant. Je vais aller chercher ma voiture qui était en réparation. On m'a cassé ma voiture, du coup ma vitre était cassée. On va aller la récupérer, je l'ai déposée hier et elle est prête. Ensuite je vais rentrer, je vais faire une petite story pour une marque parce que je devais la faire déjà. Quand j'aurai fini, peut-être que j'irai faire mes ongles parce que là, ils sont trop longs, comme vous pouvez voir. Et hier, je me suis tordu l'ongle, ça me fait trop mal, ça se décolle un petit peu. Donc, faut que j'aille faire ça. Et voilà, j'ai fait une petite coupe là, je me suis lissé les cheveux et j'ai mis des petites pinces que Amandine m'a données, elle les a achetées à Primark. Où il y en a des roses et des noirs. On allait à Primark... hier, je crois, on a fait du shopping et tout, ça faisait hyper longtemps qu'on en avait pas fait, peut-être 2 ans, je crois. Donc je suis avec Amandine. Elle a son permis. Donc là, nous sommes arrivés au garage. On va aller chercher mes clés. D'abord, je vais chercher les clés à l'intérieur. Where's my car? Tu veux que je me gare, en fait? Ouais, comme tu veux. Enfin, tu peux te mettre en... Vas-y, je te dépose là. Ouais, vas-y. Ouais, tu te mets là. Du coup, je suis avec Amandine. L'effet, ça fait d'avoir son permis. Alors, je l'ai eu l'année dernière, en 2021. Ouais. Bah, tout le monde a peur à côté de moi. Ça va. Je suis confiante. Ah oui, toi, ça va. Ça va, ça va. Faut s'habituer, quoi. Bon, je vais chercher ma voiture. Let's go. Toujours le masque. Après, une course. Non, je rigole. Une course. Bon, vas-y. On va chercher ma voiture. Je ne sais pas où elle est, mais on va chercher la voiture. Regardez, j'ai des nouvelles Hugs, j'adore. J'ai récupéré ma voiture. En plus, non, merci. En plus, ils étaient trop gentils parce qu'ils ont nettoyé ma voiture au Karcher et tout. Du coup, la vitre cassée, elle était là. Ah, bah, ils ont tout nettoyé le scotch. J'avais grave mis du scotch et tout, machin. Mais ouais, trop bien. Ils l'ont fait au Karcher, je suis trop contente. Ils sont vraiment gentils. Du coup. Voilà. Merci. Oui, bien sûr. J'ai le droit de la conduire maintenant que j'ai le permis. Non, je lui ai dit qu'elle devait attendre encore 3 ans. Non, je rigole. Bientôt. Ouais. T'inquiète. T'aurais dû me la laisser conduire quand elle était pourrie comme ça. Ah oui, pour la recasser encore. Du coup, je suis trop contente. J'ai enfin récupéré ma voiture. Enfin, je dis enfin alors que je l'ai déposée juste hier. Donc j'étais à l'atelier Renault. Franchement, hyper rapide. Ils ont fait ça ce matin. Et j'ai pu la récupérer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai dû payer une franchise quand même de 15%, je crois, 39 €. En soi, c'est pas cher pour une vitre, mais comme c'est pas moi qui l'ai cassée quand même, enfin voilà quoi. Bref, il y a presque plus de batterie. Là, je vais rentrer, je vais faire ma story. Oh putain, mais la lumière ici, elle est vraiment bien. Let's go. On va éviter de casser quelque chose. Hein. Hello ma soeur. Let's go à toutes. Alors on est rentré et regardez ce que mon père y fait. Coupe des oranges. Woohoo. Regardez la fleur qu'il a achetée à ma mère. Elle est trop jolie. Je trouve que c'est une orchidée, mais orchidée de cette couleur. En plus le vase il ressemble. Du coup j'ai fini mes stories. Donc là avec Amandine on va aller au Val d'Europe. Je vais aller faire mes ongles à Anita. Là ils sont trop longs, c'est pas possible, genre ça se tord et tout. Je sais pas, j'ai pas pris rendez-vous, on verra. Si je peux pas faire les ongles, et ben on va faire un petit peu de shopping, vu qu'on y est, on y sera. Donc voilà, à toutes. Coup, petite tenue du jour. Donc mon manteau qui vient de chez Mango. J'ai jamais eu un manteau aussi léger, genre j'adore, vraiment trop bien. Ma chemise Yes Style, c'est une chemise bleu marine comme ça. Mon pantalon Yes Style aussi, je l'ai jamais mis. Il est blanc, enfin il y a un dégradé comme ça. Mes nouvelles Hugs que j'ai achetées à la Vallée avec une carte cadeau à la Vallée. Ils m'ont donné une carte cadeau et du coup voilà. My bag, mon nouveau sac. Voilà, une petite barrette et mes cheveux super longs. Oh, ça date. Ça date tellement. Oh my god. Du coup, j'ai pris rendez-vous pour demain, 16h. Oh, Emma, putain, mais on va refaire les vlogs comme avant là. Ça fait trop longtemps les trucs comme ça. Genre vraiment, ça date. On va acheter que de la merde. Je rigole. Oh, regarde, c'est quoi ça? Shower mousse. Oh, regarde, j'ai acheté ça pour papa. Wow. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de shopping. Enfin, si, il y a 2 jours, mais ça faisait hyper longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et ça a l'air trop bon à bande. Ouais. Oh. Emma, c'est pour faire un gâteau. Ah ouais, de ouf. Je suis choquée. Oh ça j'adore, c'est mes chocolats préférés. Sérieux? Non pas préférés mais genre c'est bon. Ah ouais c'est bon, les fleurs.
Ah, mais c'est pour la Saint-Valentin, j'avais pas capté. Viens, on fait une dégustation. Ça, j'offrirai pas ça à ma copine. Mais tort du chêne, que ça. Tort du chêne. Ah, des ballons cœur. Ciao. Bon, voilà. Hein, tiens, on va voir les nouveautés, on va voir ce qu'il y a. Ah, mais c'est trop bien, vous pouvez pas voir mon double menton du coup, avec le masque. Je suis choquée. Ah, moi je veux voir le make-up. Raikou-esh. Ça va. Et on le tape devant lui. Ouais. En mode, on était trop fou. Mais moi, Pâques, je vais fêter ici. C'est bientôt Pâques. Non, c'est en avril. Oh, Astrid. Sakyu. Moi, je vais aller voir le make-up. Oh, waouh. On redécouvre le monde, hein, parce que on était enterrés dans notre chambre depuis 10 000 ans. Donc là, on regarde les nouveautés et tout. On va voir ce qu'ils ont en make-up. Hello. Bon, on a déjà trop de make-up, mais bref. J'avoue, ça me fait grave penser à l'ancienne. Quand on venait tout le temps faire du shopping. Ça, c'est vraiment stylé. C'est des huiles pour quoi? Pour la peau? C'est les huiles qui font... C'est trop beau. C'est des huiles qui font briller ton visage, genre. Et tu mets ça avant tout. Je crois que je vais le prendre. Hein. Ah ouais? J'aime bien être en mode. C'est comme la Super Goop, là, non? Ouais. Super Goop. Super Goop. Mais je connaissais pas cette marque, non? Super Goop. Bah, test. C'est vrai que c'est un peu beau. Hein. Ouh. J'ai peur que ce soit de la merde. Ça va te cramer la peau, là. Mais c'est sûr, on en a, non? Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Genre, tu mets de l'huile. Je vais acheter un truc, tu me dis, c'est sûr qu'on en a. Tu prends de l'huile. Et de l'huile de jojoba et tu mélanges avec de l'highlighter. Ah bah c'est grave. Oh non, ça... Hein? Tiens. Mange quoi? Oh bah le Du coup on est à... Comment ça s'appelle? À Claire. Regardez, il y a des trucs trop mignons. C'est grave inutile mais genre... Je sais pas, je trouve ça super mignon. C'est trop beau. Là on est à Victoria's Secret, ça fait hyper longtemps. On est en train de sentir les parfums. Redécouvre le goût du shopping en fait. Ouais, ça fait longtemps qu'on a pas fait de shopping. Ouais. Ça sent super bon. Non mais ils sont trop bons lui à mon goût. Écoute-moi. Ouais c'est vrai que c'est lui qui sont bons. En fait ça c'est des brumes, le tien c'était un parfum vraiment. Ouais. Ah c'était ça je crois. Et putain mais je crois que je le retrouverai jamais mais ils sont vraiment trop bons. Bah déjà quand tu voulais le racheter il y avait plus, tu te souviens. Ouais. Amandine c'est lui. Lui il est en mode parfum et ça tient plus longtemps. Ah ouais je vais le prendre en petit c'est mieux. Enfin je sais pas si c'est le même. Hein. Non c'est crème cloud. J'aurais jamais dû donner toutes mes brumes, je sais plus où je les ai mises. Oh celle-là Amandine. Elle est trop belle celle-là. Ouais, elle est trop. En plus, ça donne envie de commander sur internet, mais. Ouais, je te jure. Avant, je les achetais hyper cher, les brumes. Ouais, parce qu'il n'y avait pas ici. Je pense qu'ils sont bons. Ah, l'autre, celle-là, ça me fait trop penser à l'ancienne, genre. Regardez ce parfum, il est trop beau. Bon, c'est... ça sent juste la vanille, mais juste les paillettes. Waouh. J'adore. Ouais, vas-y. Sinon, il y a celui à la coco. Mais je crois que j'en avais déjà un des deux, mais pas avec des paillettes. Super bien. Oh non, coconut, putain, ça fait sentir les vacances sales. Oh, ce sont trop bons. Je sais pas si je prends ça ou ça. Oh. Non, je crois que je préfère la vanille. Nous sommes à H&M. Et puis, on va voir, parce que ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas venu, comme d'hab. On a fait un peu tous les magasins, on a fait Rituals, on a fait Bershka. On va voir ce qui se trimballe ici. Donc là, nous sommes à Auchan et on regarde les jouets parce que ça nous fait penser à l'ancienne. J'ai acheté un truc à Sephora. Mais regardez, elle. Elle kiffe trop les jouets. Oh, regarde, c'est pour partager à ta BFF. Non, j'en ai pas. Ah, mais toi qui en voulais une. Oh, regarde les deux petites. Oh, mais c'est des Polly Pocket. Eh, mais moi j'adorais Polly Pocket avant. Ah ouais, c'est vrai que c'était trop bien les Polly Pocket. Ouais, j'aimais trop moi. Oh, ça, Amande, putain. Mais c'était trop cher pour être acheté les Polly Pocket. Oh. Et bah, le packaging, il donne trop envie d'acheter, genre. Ouais. Le packaging. Et une fois que t'ouvres, bah, c'est trop de la merde. Ouais, il y a quand même 26 surprises, tu vois. C'est quoi? Bah, c'est une maison. Ah ouais, il y a 26 surprises, comment tu sais? J'aurais été trop contente. Ah, mais toi, t'aimes trop les trucs avec plein de surprises. Ouais. Ouais. Comme la robe avec... C'est la poupée avec la robe là. Avec ça me dit quelque chose. Oh putain, c'était quoi déjà? C'était une poupée avec une robe et dedans, quand tu tirais des trucs, il y avait des surprises. Mais oui. Mais je les ai jamais vues. Tu me l'as montré que en pété, en tout cassé, genre.
Ah, elle était trop bien cette poupée, elle était trop belle et... Oh, j'avoue... Choquée. Tu te rappelles les têtes à coiffer, Astrid ? Ouais. Enfin, tout était bien. Franchement, la jeunesse, ça me manque. Donc, si vous êtes enfant encore, eh ben, profitez. Ah bon, il fait un peu peur, hein, ce boss. Regarde. Ouais. Mets de la musique techno. Ça part trop en cou- Oh putain, ça j'aimais trop aussi. Tu te souviens quand je jouais à la caissière ? Ah ouais, ça c'était mon jeu préféré avec Amélie. C'était trop bien. C'était trop bien, hein, la jeunesse. Moi, je vous dis. Un pistolet à billes, personne m'en a acheté. Des cousins, ils en avaient. Ouais, c'est pour ça que j'en voulais un aussi. Mais ça nous faisait trop mal quand ils nous tiraient dessus. Ouais. Et à un moment, on m'a tiré dessus aussi. Jure. Ah non, Amandine, c'est là ma partie préférée, c'était Disney. Ah ouais, on avait jamais le droit d'être parce que ma maman, elle voulait pas. Mais pourquoi ils ont des aussi gros yeux, des gros yeux comme ça ? Oh, mais ils ont des beaux yeux, t'as vu, c'est des paillettes. Ah ouais, c'est vrai. Ils ont des yeux en paillettes. Et pas elle, genre, demain. Ah ouais. T'as elle, t'as le seum, du coup. Ouais, grave. Bah, c'est pas Lilo et Stitch. Ah ça c'est Lilo ça ? Non, j'en ai aucune idée, je dis de la merde. Pourquoi on n'aime plus comme avant, genre c'était trop bien avant, on était trop excited. They are wet and wild. Oh. You know that? Do you know that? Tiens, un truc pour les cheveux. I don't think so. Ouh, liner. Oh non, par contre les prix affichés comme ça, j'aime pas du tout. Oh, tout mini. Je vais d'avoir un mini haul, ça va, c'est un haul de ouf. On n'a pas acheté grand chose, j'ai juste acheté à manger. J'ai juste acheté ça parce que je sais pas, j'avais trop envie de manger ça, j'ai pas mangé de la journée. Et à Sephora, ah j'en ai pris déjà. Et à Sephora, j'ai pris ça parce que j'avais déjà en miniature et franchement, il est trop bien. C'est le truc Milk, vous savez, c'est pour le visage. Je trouve que ça hydrate très bien avant le make-up. Voilà. Moi j'ai pris une coloration de cheveux. Ouais. Moi aussi il faut que j'en refasse une. Elle était noire mais ça part trop vite sur mes cheveux. Et voilà quoi hein. Rien de spécial. Et il y a une dame en face de nous, elle a fait tomber sa pizza. Son pizza. Elle était trop déçue. Mais c'était trop triste. Donc bref. On va où là, monte oh, au McDo. Non, en ce moment il y a les offres McDo en mode pas cher. Bon aujourd'hui je crois que c'est de la merde mais. Bref. À tous. What are you eating? Pokéball. So good. Fais un TikTok. Wouhou. Là, nous sommes rentrés avec Amandine. Yeah. Et on mange petit Pokéball. Chou de Bruxelles. Et Solvita. Solvita. Mon père, il m'a donné quoi? Il m'a donné un jogging qu'il a acheté à Lidl, mais genre je me suis dit je le veux trop parce que il a l'air d'être trop bien taillé et il est trop bien taillé, je l'aime trop. Du coup il me l'a donné, il va en acheter un autre et c'est un jogging comme ça tout simple, noir, mais il est vraiment bien taillé, il y a des zips au niveau des poches et il a coûté que 8 euros. Franchement j'en cherchais grave genre sur Asos et tout, mais c'était genre 30 euros, un truc comme ça. Et là c'était 8 euros, il l'a passé à la machine, franchement c'est hyper bien. Trop pas cher, enfin bref. Vraiment qualité exceptionnelle pour 8 euros en plus. Nouveau jour aujourd'hui, donc il est 14h, 14h50. Là je vais aller déposer des colis à la poste. Des colis à la poste pour mon site et pour Vinted, et j'ai trop mal au doigt, genre à l'ongle. J'arrête pas de me le tordre en fait. Et du coup, vous voyez, ça se soulève et je crois qu'il y a une fissure et tout, ça me fait trop mal. Je dois aller faire mes ongles aussi, Anita, j'ai trop hâte. Je vais plus faire long, parce que comme je vous ai dit, je pars au ski à la fin du mois. On repart à Gérardmer, trop marrant, parce qu'en fait c'est les cousins de mon copain qui ont réservé un logement là-bas et tout, et bah apparemment ils ont pris au même endroit où on était l'année dernière, donc c'est trop cool. Je vais faire peut-être arrondi court, on verra, mais j'ai trop mal. Bref, ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas, sur mon site il y a des promotions si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous mettrai le site en barre d'infos. J'ai pas eu le temps de sécher mes cheveux et tout, du coup je les ai attachés. Aujourd'hui je me suis habillée en sweat jogging, donc voilà. Bref, à toutes. J'ai fait mes ongles. J'ai fait arrondi cette fois. J'ai trop mal encore au doigt. Enfin là c'est mieux parce qu'il me l'a refait du coup. Mais ouais, j'avais vraiment trop mal.
surtout quand il me limait et tout, mais au calme quoi. Donc maison, j'ai fait marron parce qu'il y avait plus noir. Mes parents ils rentrent de course et ma mère elle a acheté plein de trucs pour le jardin. Regardez comment c'est trop beau ça, j'adore. J'étais en train de manger. Je crois que c'est un de mes meilleurs repas parce que c'est vraiment trop bon. Vous saviez qu'il fallait manger. Il faut toujours manger les fruits avant le repas, à ce qui paraît 30 minutes avant le repas. Parce que sinon, si tu manges après, ça pourrit dans le ventre. J'avais vu ça. Je le fais quasi jamais, mais bon. Il y a fleur là. Fleur là. Fleur là, là-bas, là-bas, là-bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est super bon. C'est mon repas préféré. L'idée, c'est trop bon aussi. Ouais, ça, j'ai les idées de faire, tu sais, les thons, je mets les... Je fais revenir l'ail, oignon, échalote. Les gens, ils aiment pas les choux d'eau sel, mais moi, j'aime bien. C'est appétissant. Cette plante, elle est trop belle, hein, elle a pas l'air, elle a pas intérêt de faner. Trop jolie. Et les fleurs, je croyais, c'est les vrais. En fait, c'est des... Ah, c'est des fausses fleurs. Voler là-dedans. Oh non, mais en plus je suis en train de dire en vidéo, c'est super beau et tout. Aujourd'hui, nouveau jour, donc il est, on est samedi. Je me filme un peu de loin là, parce que aujourd'hui ça va pas du tout, genre j'ai plein de, enfin pas de plaques, mais j'ai plein de, ah, j'ai plein de boutons au niveau du menton, genre, je crois que c'est une accumulation là, Là, ma peau, ça va plus du tout. Il faut que je recommence à manger comme avant. Plus de gluten, plus de produits laitiers. Parce que là, ces derniers temps, ces derniers mois même, depuis l'année dernière, bah, je fais que de manger ce que je veux, vu que ma peau était redevenue normale et tout. Mais à force, il faut vraiment que je me tienne à manger bien plus régulièrement. Parce que sinon ma peau elle décolle, je recommence à avoir des plaques, d'eczéma, etc. Moins qu'avant, hein, mais ça se contrôle, mais il faut que je fasse un nettoyage. Donc c'est pour ça que je me filme un peu de loin, parce que sinon c'est horrible. Du coup voilà, aujourd'hui j'ai pas encore mangé, il faut que je mange, je vais manger des légumes et tout. Ouais, pas de produits laitiers, ça tue la peau, surtout quand vous avez de l'eczéma. à chaque fois quand je veux recommencer à vlogger, bah, j'ai re des plaques d'eczéma, je comprends pas. J'étais en train de faire des TikTok. Voilà, et je viens tout juste de me préparer, faire mes cheveux. J'ai utilisé le fer GHD qu'ils m'ont envoyé. C'est celui-ci. Ah, j'ai refait mes ongles. Ah oui, je voulais dire. Donc c'est un fer GHD hyper fin, comme ça, c'est le GHD Curve. Genre, il est super bien. En fait, je l'ai utilisé trois fois. Les deux premières fois, ça n'allait pas du tout parce que je laissais trop longtemps et ça chauffe hyper vite. Mais on peut pas régler l'intensité, en fait, du truc. Donc ça, c'est hyper, hyper chaud. Donc à chaque fois que je le faisais, bah, mes cheveux ils étaient hyper courts et hyper bouclés, du coup ça allait vraiment pas. Et en fait, il faut que je l'utilise vite. En fait, il faut prendre une mèche, le tourner et lâcher tout de suite parce que ça chauffe tellement rapidement que... voilà, mais j'aime beaucoup le résultat, je préfère mes cheveux comme ça que des grosses boucles, donc je suis trop contente. Et mon fer à 10€ là que j'avais acheté à Auchan, il était un peu plus gros que ça, il était trop bien, il était à 10€ et tout, mais la dernière fois il m'a explosé à la main. Du coup voilà, et GHD m'a envoyé ça, donc trop contente. Par contre je sais pas combien il coûte, ça doit coûter assez cher quand même, mais bon, il est vraiment très efficace. Et c'est vrai que la différence entre celui à 10€ et celui-ci, voilà, celui-ci est beaucoup plus rapide à faire, genre vraiment, j'ai les cheveux hyper fins et tout, donc en 10 minutes ma tête est faite quoi. Donc je suis plutôt contente et je préfère vraiment ces boucles là à des grosses boucles. Je sais pas si vous allez bien voir comme ça, c'est super beau. Donc voilà, j'étais en train de faire des TikTok avec mon petit trépied, voilà. J'ai mis un rouge à lèvres que j'aime pas. Aujourd'hui, j'ai mis un Etude House. En fait, la qualité est super bien, genre on sent pas sur les lèvres, c'est un peu un effet eau. Mais j'aime pas la couleur. Je vais faire un live TikTok pour les commandes of Karel. On parle ensemble et tout, donc n'hésitez surtout pas à venir sur TikTok. Je mettrai en barre d'infos, c'est tiré du bas Noetsi. Et je fais souvent des lives une à deux fois par semaine avec mon site. Les gens peuvent commander, je fais leurs commandes en live et tout. Et j'aime beaucoup ce concept, je fais ça depuis l'année dernière, depuis août je crois. Avec l'algorithme TikTok et tout, ça fait connaître plus ma marque et tout, donc je suis hyper contente. Et il y aura une nouvelle collection qui va arriver prochainement, à voir. Eh oui, ce portant là,
Vous allez vous demander pourquoi j'ai un portant fini. Mais en fait, c'est parce que l'année dernière, j'avais des gros paquets de bonbons. J'avais acheté des gros paquets de bonbons pour les offrir en commande et tout. Mais cette année, je fais plus les bonbons. Parce que je voulais changer un petit peu et tout et tout. Voilà, je vais vous montrer un peu les nouveautés sur le site. Mon sweat, il est trop beau, je l'aime trop. C'est un Asos. C'est un truc Asos comme ça. Il est hyper bien. Regardez comment il est. Et XXL, il était encore plus large, mais il a rétréci au lavage. Il m'arrive vraiment tout en bas, mais je l'aime trop. Il est trop bien, il faut pas que je le tâche parce que vraiment je l'aime trop ce gilet. Il y a un fil qui pend derrière. En ce moment, genre, j'ai grave pris du poids et tout, donc c'est l'hiver. En plus, comme on peut plus trop sortir, partir en vacances vu que j'ai pas de passe. Enfin bref, du coup je reste à la maison, je mange n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, voilà. Bref, je vais vous montrer quelques petites nouveautés. Donc ça c'est les boucles d'oreilles Aena. Les nouvelles co. Elles sont trop belles, elles existent aussi en or. Ça c'est en or et elle existe en argent aussi. Dans le focus, incroyable. Donc voilà. Petite paire de boucles d'oreilles. Et deux bracelets Harry. Pareil, hein. En or et en argent. Vous avez moins 10% sur le site avec le code solde 10. Enfin, il y a tout sur le site, donc voilà. Ils sont trop beaux ces bracelets. Bon, là il n'y a pas trop de lumière, donc c'est normal. Je vous mettrai les noms en barre d'infos. Mais cette paire de boucles d'oreilles vraiment très raffinée. Quand vous attachez les cheveux et tout, petit, très raffiné comme ceci. On adore, très Hailey Bieber. Il y a aussi cette paire-ci. Tout est vendu par paire. Hein. Jolie avec une petite perle d'eau douce, comme ça. Quoi d'autre? Bah, c'est tout, je crois. Faut que je la mette en ligne, cette bague-là. C'est une bague avec une lune que je fais main. C'est une bague comme ceci. Je vais vous montrer mon sac que je viens d'acheter. J'avais déjà filmé en début de vlog, mais je sais pas si je vais laisser la partie et si je recommence, mais bref. Du coup, je me suis acheté... mon sac, vous savez, le sac, je sais même pas si je vous l'ai dit que c'était le sac de mes rêves, le sac Chanel Jumbo, pour vous expliquer. En gros, de base je voulais le petit, le moyen plutôt. Au final, le petit, on dirait que tu peux rien mettre dedans. Et je voulais absolument mettre ma caméra de vlog et tout sans forcer à fermer parce que j'ai pas envie d'abîmer le sac, surtout pour le prix. Quoi. Et le but c'est de le garder à vie quand même. Je vous montre le sac. Hop, c'est le Chanel Jumbo avec les finitions or. Franchement, il est super beau ce sac. C'était vraiment le sac que je voulais depuis vraiment quand j'étais jeune. Un des premiers sacs, genre, je voyais les filles avoir ça, genre il y a 10-15 ans. Je me suis dit, mais waouh, incroyable. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ce sac avant. Genre en tout premier, au lieu d'attendre et se dire, oh, plus tard. Je pense que si je maigris, le sac il va être géant sur moi. Avant que je remange correctement, etc. En fait, bah après, je maigris parce que forcément, je mange moins de la merde, moins de fast-food, etc. Donc, ce sac il va être un peu plus gros sur moi, mais bon. Pour l'instant, il me va proportionnellement. Repas du jour, très healthy. Ma mère, elle a fait des bons trucs. Donc, elle a fait pois chiches avec des épices et de la soupe de légumes. Bref, on va manger. Petit pois chiche. Voilà. On va mettre un peu de soupe. Et les fruits, les oranges, c'est pas très bon quand vous avez l'eczéma. Mais bon, pas tout faire, hein. Avec le dentifrice et le froid, je parle pas trop fort parce que mon père est dort. C'est mieux que McDo. Je vais regarder des vidéos informatives. Pour ma vie sur mon iPad. J'adore les pois chiches, j'adore les lentilles. Ma mère a fait du jardinage. Les beaux se font là comme ça. J'aime bien. Aujourd'hui on est samedi dimanche, hein, donc c'est chill. Je vais juste faire un live tout à l'heure.
Il n'y a presque plus de batterie. La soupe est trop bonne. Bienvenue dans le bureau of Karel, endroit où je fais tous mes lives, toutes mes commandes, etc. C'est ici où tout se passe. Je vous l'avais jamais montré sur YouTube, je crois. Enfin, si je l'avais montré l'année... Enfin non, je l'avais pas montré en fait. J'avais fait un vlog où je montrais l'endroit où je faisais tout ça. Mais j'ai jamais posté, donc vous l'avez jamais vu. J'utilise ce trépied du coup pour faire mes lives que je pose... juste là-bas, ça c'est le trépied de ma caméra, mes lunettes qui n'ont rien à faire ici. Donc comme vous pouvez voir, j'ai racheté des boîtes comme ça parce que j'en avais des noires et j'aimais pas en fond, en live. Du coup j'en ai pris des blancs, c'était les derniers sur le site. Je me souviens plus c'est quoi le site, c'était un site, enfin j'ai galéré à trouver, genre j'ai vraiment retourné internet pour trouver ces boîtes-là. Si jamais vous savez où on peut acheter ces boîtes-là, n'hésitez pas à me dire. Tout ce dont j'ai besoin... là en fait je vais faire des bijoux, je vais fabriquer des bijoux parce que il faut que j'en fasse. Mon copain il m'a acheté ça, c'est trop bien, c'est pour poser le téléphone et du coup je peux lire tout ce qui est en live etc. Donc voilà j'ai tout, tout le monde me demande où je suis à chaque fois, bah, je suis chez moi, enfin chez mes parents, toujours dans ma chambre et j'ai espacé un endroit comme ça pour faire mes commandes etc. Tout est organisé, derrière il y a une pile entière d'enveloppes, voilà j'ai tout hein. J'ai tout ce qu'il me faut, ici j'ai mes cartes de remerciement, j'en ai plein, j'en ai fait des nouvelles, les plumes aussi pour mettre dans les colis, les enveloppes, enfin j'ai tout quoi, je suis bien aménagée, j'ai besoin que de ça pour l'instant. Il y a ce petit mur de collier là que Amandine m'a donné, franchement super pratique, j'aime trop. Là, je vais faire tout ce que j'ai à faire, je vais travailler un petit peu et je vous laisse en accéléré. J'ai jamais montré en vidéo mais c'est comme ça que je fais mes lives, donc là il y a mon téléphone où je regarde les commentaires, dites coucou. Bah à gauche il y a mon téléphone où je filme avec mon téléphone. Vous allez passer dans le vlog, dites coucou. Donc voilà, et là je fais les petites commandes et tout que j'expédierai lundi du coup. Donc voilà, bye.